stumble by the teeth. Ah, chérie, tu rends de malheur. Oh oui, comme si, comme ça, mais j'ai une faim de l'eau. Ouf. La table est vide, il n'a pas pris plus que toi. Franco? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, du riz avec... Je t'ai demandé de me faire du ndolé avec des ignames. Franco, du ndolé. Le ndolé, c'est une feuille verte qu'on lave. C'est amer en fait. On lave, après on mélange avec les arachides et ça donne ce que ça donne. Franco, le ndolé, tu sais ce que c'est? Mais bébé, tu peux manger. Je ne veux pas goûter à ça. Je t'ai demandé du ndolé avec des ignames. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu fais? Je veux manger. Oh. Donc comme ça, tu veux qu'on mange comme un couple normal, c'est ça? Franco, je n'ai pas encore oublié toutes tes tromperies avec tes femmes. Allez, dis-moi. Ça te rappelle laquelle de tes conquêtes en train de manger sur cette table avec toi pendant que moi, j'étais dehors à me tuer au travail pour nous? Mais Brenda, je t'ai demandé de m'excuser à plusieurs reprises. Et ce n'est pas en me rappelant des choses qui sont passées que les choses vont changer. Chérie, je suis désolé. Ça ne change rien dans ma pensée. Pas une fois, mais plusieurs fois dans notre maison. Et tu voudrais que moi j'oublie tout juste parce que depuis 2 jours tu es gentil avec moi? Oh non. Et puis, tu es peut-être en train de me préparer un coup encore plus dur que le précédent. Mais chérie... Il n'y a pas de chérie qui tienne. Franco, sors de ma table. Pardon? Allez. Et plus vite que ça. En plus, c'est bon. Allô, Akamba, bonjour. Comment tu vas? Mais tu n'es plus arrivé hier comme tu me l'avais dit au téléphone. Pardon? Comment ça tu ne viendras plus sur Douala? Mais je t'ai pourtant envoyé l'argent de transport dernièrement, non? Allô, Akamba? Allô? Allô? Emma est raccrochée au nez. C'est ça, tu as aperçu l'agent de transport. Et maintenant, tu me laisses face à Maman Choco toute seule. Ta sœur, elle ne mange pas aujourd'hui. Maman, chacune a ses problèmes dans cette maison. Ma sœur gère les siennes. Je ne sais pas. Depuis que votre papa est décédé, je me bats pour que vous ne manquiez de rien. Mais vous vous comportez comme des gamines. Vous pensez que je vais vivre avec vos caprices là? Toi, ton problème, c'est quoi? Mon téléphone. Quoi? Mon téléphone. Oublie ça. Mon téléphone. Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Attache ta boule là quand ça n'a pas collé le mur. Ah.
Je dois voir M. Ndjamin demain matin. Il faut qu'il corrige mon rapport. Moi, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas encore quel habit je vais mettre pour la soutenance. Nina, toi avec les inutilités. Au lieu de te soucier de ton travail, tu te soucies plutôt de l'habit que tu vas mettre. Il faut bien que je m'habille ce jour, non? Les gens viendront pour moi et il faudrait que je sois présentable. C'est quand même un jour important pour nous que nous... C'est quand même... Un instant, s'il te plaît. C'est qui? Justine, maman dit que le repas est servi. Je n'ai pas faim. Tu disais? Injaville Music. Allô, grand frère. Oui, mon crédit de communication m'a lâché là tout à l'heure. Raison pour laquelle la conversation s'est coupée. Oui, il se fait tard et je ne pouvais pas aller sortir pour aller charger. D'accord. On se prend demain matin, non? Ok. Tu m'embrasses tout le monde là-bas. Bonjour, chérie. C'est l'histoire par rapport à ma collègue, ça ne m'intéresse pas. Peut-être, mais je t'ai quand même menti. Comme toujours, tu as toujours eu à le faire. Comme là maintenant, qu'est-ce qui me prouve que tu es en train de dire la vérité? Tu es toujours en train de mentir. Écoute chérie, j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Si j'avais la possibilité de recommencer, je te jure que je le ferais pas. S'il te plaît, Roger, il est 9h du matin. Et là, je suis là presque en retard. Le temps pour moi de traverser toute la ville avec les embouteillages sera en retard. Donc, s'il te plaît, de grâce, laisse-moi aller au travail. Il y a des femmes qui salissent la dignité des autres ici, Léon. Jenny, je ne te fais pas dire. Je suis sûre qu'elle en sait quelque chose de ce qui lui est arrivé dans son ménage. Sinon, comment elle peut sortir avec un gars dans la même cité qu'elle? Quel genre même? Quel genre même? Un va-nu-pied qui ne vaut même pas son mari. Je me demande bien ce qu'elle lui trouve à ce gringalet. Elle dit que son mari est toujours absent et qu'elle a des besoins. Elle ne connaît pas le concombre. Elle peut très bien prendre son pied toute seule. Au lieu d'aller se donner à n'importe qui. On dit même que tous les gars du quartier sont passés par là. Et partagent à tout le monde. Mes enfants. Hein, copine. Mes filles, mangez, arrêtez de vous occuper des vies des gens qui ne vous concernent pas. Ah, merci. Elle aime trop ça. D'accord. On dit qu'il a déjà donné à tous les gens. Manger, ne parlez plus des gens. C'est encore comment manger. Tu ne te décourages pas. Je suis venue t'aviser pour ce qui doit arriver. Je t'attends de nuit comme de jour. J'ai pas peur de ça, Michel. Et je suis venue d'ailleurs. Chien. Il était une fois. Une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. C'est déjà le retour. On n'avait pas cours aujourd'hui. Je suis juste allée remettre mon rapport à l'encadreur pour l'écrire.
Ne pas ta tante est passée ici le matin, me dit de rester et attendre ce qui va m'arriver. Tantine Akamba a recommencé avec ses embrouilles. Est-ce que c'est même Akamba? C'est Michel. On dirait que Akamba a vendu ses démons à Michel. Elle te veut quoi au juste, maman? Je sais que quoi. Mais elles ne pourront pas. Je vais les anéantir. Elles ne peuvent absolument rien. Je n'ai pas peur des enfants comme ça. Elles ne pourront pas. Tout ce qu'elles font là, c'est zéro. Je vais les anéantir. Ça m'inquiète vraiment parce que je ne comprends pas tous les jours. C'est quoi cet acharnement? Les petits enfants que quand mon mari les a pris, ils petits comme ça. Comment ils ont grandi? Elles sont bleues, elles sont belles. Ouais, maman, laisse. Non. Ça fait tellement du bien de te revoir après autant d'années. Je t'assure. Combien? 5 ans? Ça fait précisément 6 ans. La dernière fois, c'était lors de l'enterrement de Jacques Ayette. Ah oui, c'est vrai. Mais comment tu as eu mon numéro? Tu n'es pas sur Facebook, aucun réseau. Dernièrement, je suis tombée sur Dylan. Tu te rappelles de lui? Ah oui, bien sûr. Et voilà. On se voit régulièrement. Mais bon, je ne vais pas te laisser debout. Allez, prends place. Merci. On a de l'eau là, du jus de fruits et de cacahuètes. Je prends pas un jus de fruits. Ok, j'envoie ça. Allô? Oui, faites-moi monter un jus de fruits, s'il vous plaît. Et des cacahuètes aussi. Voilà, merci. Allô, chérie? Voilà 30 minutes que je t'attends. Ah! Je suis déjà là, chérie. C'est pas facile de trouver la moto pour ici. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On est là devant ton salon. Chérie, tu blagues ou quoi? Je t'avais dit que je m'occupais de tout, non? Hey, je pensais que tu blagues. Bon, oui, écoute, j'appelle le bailleur tout de suite pour qu'on récupère tes clés. Mais l'emplacement est génial. Et voilà dans quelle situation je me retrouve par amour. Raison. Ils sont tous pareils. Et comme ça ne leur suffit plus de fouiller entre les puces des femmes, ils les anarquent. Maman, le gars m'a eu. Pas une fois, mais deux fois. Et son humour ne passe plus. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Quand j'ai reçu ton appel, j'étais loin d'imaginer qu'on se voyait pour parler de nos déceptions. J'ai cru qu'on allait plutôt ressasser nos poumons.
nos amours primaires. Ça me manque aussi. Surtout que c'était le seul moment où nos cœurs battaient pour de vrai. Ah, c'est dommage que la vie se soit transformée en intérêt. Mais je suis contente de t'avoir revue. Je suis très contente de t'avoir revue. Oh, tu es trop belle. Mais toi encore plus. Ah. Allez, trinquons à ça. À nos beautés. À la vie surtout. Salut Justine. Maria, ça va? Même quand ça ne va pas, on dit ça va. Tu dis ça? J'ai demandé à ta mère aujourd'hui comment elle allait. Elle m'a dit bien, pourtant elle avait l'air pensive. Et toi de même. Pourtant depuis hier, je sais que tu n'es pas en forme. Tout le monde me ment. Moi aussi, je dis ça va. Maria, pourquoi tu es triste? Parce que les seules personnes qui m'acceptent telle que je suis sont tristes. Je suis désolée si je t'ai donné l'impression de te cacher des choses. Je ne voulais pas t'importuner avec mes histoires. Je suis une fille forte et je sais que quel que soit ce que vous traversez en ce moment, vous sortirez victoire. Victorieuse, Maria. Oui, comme tu dis là. Non, même va t'asseoir là-bas. C'est un peu d'argent qui pourra t'aider en attendant qu'on se revoie. Oh, merci beaucoup, Brenda. Tu peux pas imaginer ce que tu viens de me faire. Merci. Oh, arrête de me remercier. Nous sommes des amis. Et je suis sûre que tu aurais fait pareil si les rôles étaient inversés. Tu vas retourner au bureau. Mais je t'appelle. D'accord. Ok, merci beaucoup. Okay. Cette Maria, je l'aime bien. Ah oui, hein? Elle est très intelligente, hein? Surtout très attentionnée. Dis, tu as dessiné la coiffure que tu feras pour la soutenir. Non. Je ne sais même pas encore si je vais soutenir ou pas. Je ne sais d'où ma mère va prendre l'argent pour payer ma troisième tranche. Donc, habillement et autres, là, c'est le dernier de mes soucis. Franchement. Ça va aller. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces par-ci par-là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose. On va-tu prendre quelque chose? Non, je n'ai pas vraiment la situation. Il y a le problème de ma belle-sœur et ma fille.
grand frère. Ça fait longtemps. Très longtemps. Akamba. Qu'est-ce que tu croyais? Oh. J'allais te laisser dans ce combat. Maman, je pensais que tu m'avais abandonné, ma petite soeur. Le tout aussi là. C'est ça que tu parles de ce moment. Eh bien, dis-leur comment on dit ça. Attends qu'on dit ça. Tonton, vous avez pensé à une stratégie. Michel, tu as dit que tu connaissais là où elle va, non? Oui, tonton. Même Akamba connaît là-bas. Mais présentement, cela n'est pas le problème. Nous devons réfléchir sur quelle stratégie travailler pour affronter Maman Choco. Parce qu'elle n'est même pas du tout facile. Réfléchis à quoi, Michel? Réfléchis à quoi? On connaît déjà la Wolfram. Tout ce qu'on a à faire, on débarque là-bas, on réclame ce qui revient de droit à notre famille, c'est tout. Et croyez-moi, le tout cela, moi je ne vais pas aller doucement avec elle. Voilà. Ok. Oh. Dans tous les cas, la nuit porte conseil. Hey, je vois que ce que tu préparais n'a pas pris du temps, hein. Akamba, tu es encore ici au Cameroun. Je te croyais loin de la misère qui entre ta famille et toi. C'est aujourd'hui qu'on va voir qui est qui. Et en plus, vous êtes allé traîner votre vieux oncle du village pour venir, pour qu'il me tape, ou bien quoi? J'ai pitié de vous deux là. Je ne te permets pas. Qui est vieux? Il fallait me goûter. Tu allais me confirmer. Il fallait me goûter seulement un peu comme ça. Tu allais me confirmer, vieux. C'est comme si je suis invisible ici. Invite-nous à s'asseoir. Qui? Qui vous invite à s'asseoir? Hein? Oh, la chaise, c'est pour mes clients. Bonjour mademoiselle. Comment tu vas? On m'a toujours dit que les hommes petits de taille sont nuisibles. N'ai-je pas dit pour me chercher? En fait, je te cherchais parce que hier j'ai perçu mon salaire et j'ai dit que je ne dépenserais même pas 5 francs si ce n'est toi. Tu commences à être intéressant toi. Fallait commencer par là que de m'embrouiller avec les. C'est combien? Non, c'est pas grave. Il y aura plus. C'est suffisant, c'est tout? Ce n'est rien. Bientôt, j'aurai une promotion dans mon entreprise. Et il y en aura plus. Ok, bonne nouvelle, bonne journée. En fait, j'ai pas encore ton prénom. Sunita. Ok, Sunita. Yes. Maman Choco. Tu m'as jugé incapable d'assurer la relève quand mon grand-père est décédé. Maintenant, la simple chaise que tu me refuses. Le lavage, hein? Tu es en France. J'ai dit les chaises, c'est pour mes clients. Allez chercher vos chaises que vous avez quittées du village avec. Je ris seulement. Maman Choco, toi là. Dans toute ta vie, tu as déjà eu un jour de travail. Vraiment. Tu as déjà eu à travailler de tes mains. Ou même. Tout ce que tu possèdes là, c'est mon frère qui te l'a laissé. Normal. Puisque nous étions mariés. Je ne sais même pas pourquoi vous avez le nez de cafard. À mon avis, allons tout droit au but. Je vais dire dans le vif du sujet. Maman Choco, tu le sais faire bien. Depuis que mon grand frère est décédé, on n'a pas eu assez de temps pour s'asseoir et en décider de partage des biens. Donc si nous sommes là,
c'est pour cela. Je vois que ce que tu as vécu la dernière fois au village t'a pas servi de leçon. Hein. Partagez que bien. Il n'y a rien à partager ici. Tu as des biens au village, non? Tu peux bien partager et puis tu donnes pour tes soeurs. Maman Choco, comment est-ce qu'on peut partager les biens de quelqu'un qui est encore vivant? Voilà. Alors qu'on a notre défunt frère qui a laissé autant de choses. Voilà. Ce que vous pensez de moi, hein, ça me gratte pas même un peu. J'ai toujours dit que la femme 6 est criminelle. Ah, c'est toi qui avais dit. Mon frère n'est pas mort d'une mort simple. Voilà. Mais en tout cas, comme nous sommes là, ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Tu vas voir. Tu as tué mon frère. Tu as bien manigancé son plan. Tu as tué mon frère pour hériter de ses biens. Quel argent? Demain, laisse ton argent. Quoi? C'est encore quelle histoire ça? Il s'agit de quelle histoire là? Cette femme ne m'a rien remis comme agent. Je m'en doutais pas de sa réaction. Vous êtes toutes les bangues des hypocrites. Il t'est déjà arrivé, toi l'oncle, de te poser la question à savoir si depuis le temps que ton grand frère est mort, les enfants vont à l'école, ils mangent, tu viens, quitte du village comme ça, tu viens parce que tu veux partager les biens. Là, je te coupe. Je te coupe, madame. Mon grand frère a laissé des maisons et des chambres en location. Et c'est ça que tu viens revendiquer? Tu es un cultivateur, non? Tu as les biens au village. On cultive au village le manioc, le maïs, le plantain. Tu es venu avec quoi? Hein? Tu es venu avec quoi? Pourtant, tu sais très bien que votre frère, depuis qu'il est mort, les enfants sont là, ils ne mangent pas. Tu viens revendiquer les biens. Même les puits de maïs, rien. Tu couilles pour venir revendiquer les biens de ton frère. Hé, hey, arrête sa vie. Ne le fais pas se culpabiliser. Arrête avec ton jeu de mots là. Tu es une manipulatrice, je te connais assez. On te connaît. Bon, je crois que je vous ai accordé beaucoup de mon temps. Libérez le plancher. Quittez devant mon cafétéria. Maman Choco, on ne bouge pas. On ne bouge pas d'ici sans savoir comment est-ce que vont se gérer les biens de mon frère. Tu le prends pour qui a la faim. Hé, Akama, comme toi comme ça là, je gère faim. Parce que vous êtes en train de vous agiter là. Maman Choco, si tu te crois femme, fais encore un pas. Nous ne sommes pas venus ici nous bagarrer. On est là pour chercher un terrain d'entente. Akamba, partons d'ici. On va revenir. Partons. Vous avez la chance. Allons, oncle. Akamba, laissons-la, on part. Toi et moi, jusqu'à ce que la Laissons-la. Laissons-la. La course de l'enfant finit le matin. C'est ça. Ne te gêne pas. Allons, laissons-la croire qu'elle a gagné le tour. Je vous attends ici. Laisse. Le retour de ça, tu vas. Je vous attends ici. Parle de tes affaires. C'est mon agent. Hé, hey, Kameni. Ma journée d'aujourd'hui ne doit pas finir en prison. C'est l'esprit qui porte ton hasard. Regarde comment il est. En tout cas, je m'en vais. Je reviendrai, tu auras de mes nouvelles. De quoi? Qu'est-ce que tu peux faire quoi? Tu auras de mes nouvelles. Regarde comment tu es. Macabo. Tu es là comme je sais. Je ne veux même pas t'insulter. Tu as compris? Tu reviens encore, je vais te plier en deux. Comme tu es comme la tisse là. Comment? Faut vous méfier de moi, hein? Je ne reste pas à gauche, je ne reste pas à droite. Quelqu'un ne vous pas m'emmener encore le pied ici. Vous aurez de mes nouvelles. C'est bien quoi cette journée-ci? Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Samy! Elle est dérangée, ah, elle est surpassée. Tous les jours, mes deux amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas de l'air. Les menaces sont passées. Qui du café, famille, toi aussi. Elle met la maman Choco, elle ne peut pas passer. Quand et comment? Tout à l'heure, on s'est rencontrés. Elle m'a donné son prénom. Je lui ai donné tout mon salaire. Quoi? Attends. Tu as changé tout ton salaire pour un prénom? Samy, c'est pour l'amour que je l'ai fait. C'est pour l'amour, Samy.
Mais tu viens simplement de dire à cette fille que tu es son arbre d'argent. Comment ça, Samy? Si ça t'intéressait tant, tu m'aurais informé avant d'agir ainsi. Samy, je te dis que j'ai son prénom, tu dis que je laisse tomber. Si tu n'es pas, c'est ça. En fait, je suis en retard, je m'en vais au boulot. Attends, Samy, attends, tu fais comment pour avoir son prénom? Samy! Samy! Mon fils, pardon, viens me livrer le gâteau, pardon. Continue de t'embrouiller, maman Choco. Peut-être que tant que tu ne me rembourses pas, on a la dernière fois, je ne te livre plus jamais. Ouais, papa. Hein? C'est ce que je t'attendais pas, non? Tu comprends, non? Je t'attendais pas, s'il te plaît. Viens prendre ton argent. Quand tu parles, on dirait que je te dois même 10 000. Même si c'est 200, maman Choco, sera sûr de mon fond. Si tout le monde est réalisé comme toi, il y a longtemps, tu serais rentré au village. Je te dois combien? 6 500. Bon, je vais d'abord te donner 5 000. Tu sais, je ne t'attendais pas, non? Tu paies la commande aujourd'hui. Ouais, papa. Toi-même, tu sais qu'on est ici seulement en train de se battre. Prends d'abord 5 000 ici. Je vais vendre aujourd'hui et demain, je te donne tout l'argent. Donc, c'est fini. Le reste d'argent et l'argent du gâteau d'aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup. Attends, le père prend le bon pouce avant. Ok. Ah! Dieu, tu l'as tout fâché, fâché, c'est quoi? Je ne sais même pas si c'est la tête de quelqu'un que tu as mis ici. Bavarde aussi trop. Pour un petit signe, c'est ça, tu bavarde. Aïe! Les enfants d'aujourd'hui, les yeux sont seulement sur la jambe comme ça, grippés comme l'araignée. Ah, non. Vraiment, là, c'est les bonnes. Il est chéri, ton téléphone n'est pas de sens. Mamie doit me tuer. Mamie doit me tuer. Et la réunion, c'est sur toi. Tu as promis que tu revenais avec l'argent. Ça fait déjà 3 jours, ton téléphone ne passe pas. Et quand tu m'as tué, l'argent déjà, quelle humiliation. Quelle humiliation. Ce n'est même pas mon argent ni pour ma mère. C'est son argent des gens. Quelle humiliation. Qu'est-ce que tu m'as fait, chérie? Qu'est-ce que tu m'as fait, mon amour? Sérieux, c'est quoi ce silence? Ce silence m'inquiète. Pourquoi sommes-nous ici? Hein? Vous pouvez me dire, pourquoi sommes-nous là? Grand frère, si je t'ai déplacé du village pour la ville, c'était pour une mission. Accomplissons-la! Récupérons les biens de notre grand frère entre les mains de cette sorcière. Oh. Bon, je vous trouve dans l'incapacité de pouvoir le faire. Laissez-moi gérer. J'ai mes méthodes. Akamba, je te comprends parfaitement. Je suis moi-même rongée de l'intérieur. Tu ne peux même pas t'imaginer. Maman Choco a un courage et une détermination que je ne comprends même pas. On dirait qu'elle a écrit son scénario, elle a tourné son film et nous sommes les téléspectateurs en train de l'observer. Moi, mais je suis moi-même dépassée. Parole de lâche. Michel, tu es lâche. Moi qui croyais que tu avais enfin compris les choses, mais non. Je me rappelle comment tu m'appelais au téléphone. Akamba, s'il te plaît, remonte en ville. Pour qu'on puisse ensemble régler ce problème. Qu'est-ce que tu fais? Une fois de plus, tu plies ta queue entre tes jambes. On dirait un chien galeux. Akamba, je ne te permettrai pas de me manquer du respect de la sorte. Jusqu'à preuve de contraire, moi je suis ta grande sœur. Michel! Akamba! Arrêtez-moi vos querelles inutiles là. Et réfléchissez. Mais c'est ce que nous faisons depuis que nous sommes assis là. Qu'avons-nous trouvé comme solution? Rien.
À t'entendre parler, il me semble que tu as une solution. Voilà. Je me ferai le plaisir de l'écouter. Voilà, tonton. Michel, grand frère. Agressons Maman Choco pour qu'elle puisse comprendre que l'heure n'est plus à la rigolade. Akamba, je doute très fort que ta méthode marche sur elle. Cette femme, jamais de ma vie, j'ai vu pareille femme. Elle a bafoué nos traditions en refusant que je la prenne pour le veuvage. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Vous comprenez ça? Michel, au départ, je croyais que c'était les blagues. Je suis même allé m'installer chez elle. Je ne peux pas vous raconter aux petits détails les misères que cette femme m'a fait vivre chez elle. Moi, je te comprends bien, tonton, parce que je connais qui est cette femme. C'est Akama qui ne la maîtrise même pas. Mais elle est sort la veille plus que tout le monde. Et parce qu'elle est navrant tout le monde. Seigneur, tu m'as laissé dans quel genre de famille comme ça? Les lâches? Mon ami Nina, dont je te parle toujours. Ah, ça tombe bien. Enfin, je colle un visage sur le nom. Sois la bienvenue, ma chérie. Merci, maman. Je sais, ça tombe bien. Depuis le matin, j'attends Maria. Elle n'est pas venue. Et j'ai des courses à faire. Tu dois d'abord rester ici pour vendre en attendant que j'arrive. Bien sûr, maman. Tu me demandes seulement. Demain, rappelle-moi, je peux oublier que je te donne l'argent de ta pension. Enfin, je finis avec. Merci, maman. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure, maman. Merci, ma chérie. Merci, maman. Tu vois ce que je te dis. Quelle que soit la relation de ta mère, elle n'oubliera jamais son devoir de mère. Cette nouvelle me donne envie de prendre une tasse de lait. Pas toi, hein? Bien sûr. Like you lost another one.